Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur Mythic Heroes, les gars, et aujourd'hui je lance ma petite vidéo parce que on a pas mal de petits trucs à faire, mais j'ai des invoques à faire absolument et je peux pas trop attendre. Normalement, j'aurais préféré te faire une vidéo genre d'ici une semaine au moins, mais j'ai décidé de te le faire une maintenant parce qu'il y a un grand truc, c'est ça qui est sorti. Donc c'est sorti il y a quelques jours, ça se finit dans 7 jours, donc ouais non, dans une semaine, voilà, j'aurais dû te faire la vidéo dans une semaine. Mais on peut pas s'empêcher là d'essayer de faire l'event, parce que comme tu peux voir, même si Lysis on la veut pas, même si la dernière fois on en a eu deux, on n'avait pas trop eu de chance sur les tirages, on a Susano et on a les jumeaux, et bah évidemment qu'on devra les monter. Enfin, je veux dire là, c'est le meilleur moyen de les monter facilement, sachant qu'en plus là, les jumeaux, on les a achetés récemment. Alors attends, alors c'est la première fois que j'ouvre le jeu de la journée, donc j'ai pas tout acheté. Hop, bah au moins tu vois un petit peu la routine que j'achète. Bon là c'est pas compliqué, j'achète tout ce qui est en or. Pour l'instant l'or on en a plein, on n'en manque pas. Là hop, j'achète tous les jours ça. Voilà, et ici j'économise tout simplement pour acheter les jumeaux. Plus tard je pense qu'après j'achèterai, il y a des chances que j'achète elle, parce qu'elle est très très forte. Dans l'arène ensuite j'achète uniquement le Lucifer. Alors est-ce que c'est ce qu'il faut faire au début? Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas faire Susano peut-être? Que Lucifer coûte 200 000. Et pour 100 000 j'ai un Susano, donc après j'arrive quand même à l'acheter souvent, donc je peux me dire que ça peut le faire. Ici j'achète tout le temps ça, voilà, et dans le dernier j'achète rien pour l'instant, parce que déjà j'en ai pas assez, donc pour l'instant j'ai quoi. Donc ceci nous a permis les gars d'acheter, hop, notre petit Ganjang là, et du coup on va pouvoir potentiellement, enfin même c'est sûr, pas potentiellement, on va pouvoir l'évoluer. Et j'aurais bien voulu voir un petit peu la différence entre mythique. Alors attends, c'est quoi ce niveau là? Ouais, mythique c'est ça, et là on va passer sur un céleste, donc ça sera mon premier céleste les gars, donc est-ce que vraiment, alors après il y a encore un niveau au-dessus, mais déjà, quand tu commences à être sur du céleste, c'est pas trop mal. Donc on peut voir que les stats montent un petit peu, donc ça pourra me débloquer ensuite sur... Alors, pas sur l'arme, pourquoi ça pourra me débloquer, je sais plus. Sachant que moi, je suis passé à 400, c'est juste énorme, hein, parce qu'évidemment, à 400, tu débloques le deuxième ulti. Donc âme jumelle, donc évidemment, c'est assez fort. Là, en campagne, on est totalement bloqué, je suis dégoûté, je suis au boss. Du 21-60 et évidemment, bah, c'est voilà, le même que moi. Et il me déboîte, c'est super chaud. J'ai peut-être pas la meilleure équipe là. Hein. Bon bref, dans tous les cas, à chaque fois, je peux arriver en 1 contre 1 contre lui. Mais je me fais exploser quoi. Il me semble qu'une de mes meilleures équipes, c'était ça. Et même avec ça, bah, j'y arrive pas. Donc j'ai un petit peu l'espoir d'évoluer toute cette team. Pour passer quoi. Sachant que là, tu vois, lui, voilà, c'est lui qui était bloqué au niveau de l'arme. Il faut absolument qu'il soit mythique. Il m'en manque deux. Donc c'est pas rien quand même. Mais bon, je me dis qu'avec l'event, on pourrait peut-être avoir quelque chose. Et en plus. Ah, je viens de voir que j'ai eu ça là. Hop, on achète. Et je te disais, et en plus, au niveau de l'invocation, on a 180 à faire. Donc ça peut être pas mal. Et est-ce que dans le sac, on a des trucs? Dans le sac, on n'a pas grand-chose. On a 4 persos SSR. Donc potentiellement des bons trucs, hein, donc on va les ouvrir. Donc allez, on va commencer, bah écoute, par ça. On va les ouvrir un par un. Les jumeaux, Susano, ça serait très bien. Ok, bon, elle, on l'utilise, donc c'est pas mal. Allez, allez, s'il te plaît, un autre bon truc. Oberon, Oberon, j'utilise pas. Je crois qu'il était bien noté, donc à la limite, pourquoi pas pour la suite. Allez, s'il te plaît. Oui, elle est cool. Idun, voilà. Très bon heal. Cassandre, c'est qui ça? Ah non, Jeanne d'Arc, pardon. Ça, c'est mon ouf, par contre. Donc, attends. On a peut-être eu un bon truc, là. Promouvoir. Ok, malheureusement, il me manque. Par contre, Idun, je pense que je vais pouvoir l'évoluer. Ah bah déjà, elle, on peut l'évoluer. Bon, même si je l'utilise pas vraiment. Et Idun aussi. Mais elle, par contre, ça me fait un peu plus plaisir. Même si là, au niveau du heal, nous, on a elle, hein, qui est super forte. Mais Idun est vraiment cool aussi. Donc, allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... Commence par quoi? Ça, évidemment, j'ai envie de le faire. Mais bah, déjà, on fait... Les 10 premiers, voilà. Parce que là, on est obligé d'avoir un SSR. Et on est obligé d'avoir un des deux. J'ai ou Susano ou les jumeaux dans ce truc-là. Donc déjà, on est... Ben non. Non, c'est vrai que je suis pas obligé. Je pourrais avoir un autre truc. J'ai pas de chance si j'ai un autre truc. Voilà, nickel. Le Susano qui fait plaisir, c'est parfait. Ok, ça, on est bon. D'accord. Maintenant, les gars, c'est là. On va pas lancer beaucoup, j'espère. Et j'espère que je vais avoir directement des bons trucs. Allez, s'il te plaît, c'est le moment. C'est le moment, il faut que ça brille. Ok, le SSR qui tombe. C'est qui? Ah non, Cassandre. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Je passe rapidement. Non. Ça peut vite tomber. Hein. Ouh, les jumeaux. Les jumeaux qui font plaisir. Donc, les jumeaux, il me manque encore une fois et je pourrais évoluer encore derrière. Deux SSR avec Susano et Artemis. Deux persos qui me servent énormément. Donc, ça fait plaisir. Allez, allez, encore un bon truc. Alors, Susano, je crois que je pourrais en avoir encore qu'une fois.
Et les jumeaux, je pourrais les avoir encore deux fois. Archimède, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là, mec? On te veut pas, on veut les autres. Allez, allez, s'il te plaît, je veux pas en lancer trop, là. Attends, on a combien, là? Parce que mon but, c'est pas de claquer tout mon or, hein. Attends, déjà, oh là, oula, attends, on est où? Oh, ah, j'en aime aucun, là. Flora? Flora, mais je sais même pas si on l'a, Flora. Ah, si, c'est fort, ça? Ah, quand même, top 5? Après, ouais, c'est vraiment une niche, quoi. C'est fort dans un seul truc. Ouais, bon, non. Après, là, le aléatoire, il peut faire mal, hein, mais bon, tant pis, on tente le... Yes, Artemis, voilà, moi, perso qui me servent. Nickel, ok. Donc, Artemis, c'est bon, elle serait un peu montée. Alors, on est à 85 000. Allez, on tente encore un petit peu. On est joueur, le Dionysos. Non, même si, oui, il faut que je monte, évidemment. Là, ici, tu peux tomber quand tu veux. Par contre, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Allez. Allez, là, je sens un bon truc, là. Là, je sens un bon truc. Ouais, ouais. Je les sens, les jumeaux. Ou le dernier Susano. Très, très bien. OK. Donc, là, on est pas mal. On est là de Susano. On peut plus l'avoir. On va aller jusqu'à 100. Donc, là, on va en faire... Allez, encore un petit. On n'a rien. Et le 100, on l'a pas. Il faut en faire un autre. Allez, le dernier. Yes, les gars! Nickel, on l'a eu. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a 70 000, c'est très bien. Et ici... Oh, on pourrait pas avoir un autre truc. Méduse ou Zeus? Méduse, j'en ai pas mal après. Hein. Mais Méduse, je sais que je l'ai vu. Ouais, dans les défis quotidiens, c'est pas mal. Hein. Elle est top 2 quand même. Hein. C'est des gros dégâts, Méduse. Hein. Mais ça sert que là, quoi. Mais au moins, ça servirait là. Que Zeus, même si je sais qu'il peut être très, très bon. Alors ça, c'est les chapitres, tu vois... 13 à 16, 1 à 12, mais on a passé ce truc-là. Même le 20, on l'a passé. À 21-24, il est deuxième quand même. Ah ouais, non, mais attends, c'est super fort. 21-24, il est deuxième. Est-ce que c'est parce que les gens le jouent beaucoup qu'il est deuxième? Parce que ça me... Ah ouais, non, mais attends, mais c'est super fort. Là, il est vraiment bien noté dans l'arène, dans les défis quotidiens. Ok. On va peut-être prendre Zeus, alors. Après, je l'ai pas trop... Enfin, il est pas trop monté, malheureusement. Oh, ça m'embête, hein. Bon, allez, on prend notre petit Zeus, parce que là, je pense que dans l'aléatoire, il y a... Beaucoup de chance qu'on ait un héros qui est pas bon. On a eu la chance tout à l'heure. Peut-être pas abusé. Donc, écoute, on va s'arrêter là. On n'est pas trop mal. Je pourrais encore avoir un Ganjang, mais ça paraît compliqué. Après, là, il me reste encore 3 essais. Tu vois, on est à 70. Après, je me dis que là, vu que le prochain truc d'invocation, c'est obligé, je crois, que ça soit un Lucifer. On va tout claquer. Je préfère avoir 10 000 en plus pour le prochain, si c'est encore genre Nuwa ou un truc comme ça. Donc, on va s'arrêter là, même si on aurait pu faire un de plus pour avoir le Ganjang. Parce qu'on a plus de chances de l'avoir, tant pis. Donc, avec un peu de chance, les gars, on va l'avoir là-dedans. On en a 180 à lancer. Alors, attends, juste avant, je fais monter mon Zeus. Ok. Et évidemment, le Susano, parce que le Susano, là, ça fait plaisir. Et là, on sera à 1. Ok, ouais, bon, il n'a pas monté de ouf, mais un petit peu quand même. Là, je vais juste attendre un petit peu. On va juste faire son arme, évidemment, parce qu'on en galérait depuis. Parce que le Susano, il peut être très fort, mais au début, c'est pas ouf. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas ça très fort. Mais tu peux voir que là, il gagne 20 d'énergie à chaque critique qu'il fait. Là, il va gagner 30 d'énergie et ça peut aller jusqu'à un peu plus, je crois. Il me semblait qu'il gagnait 40 à un moment. Je sais plus où c'est. Mais bref, déjà, tu vois, si on pouvait le monter au moins au niveau 300, ça serait pas trop mal. Hein. Donc, le plus important, lui, c'est d'augmenter ses crits. Parce que c'est évidemment le truc qui fait qu'il va faire mal, quoi. Donc là, faut pas hésiter, lui. Hein. Au plus, il va faire de crits, au plus, il va gagner de l'énergie. Donc, c'est très bien. Donc, on y va à fond. Vol de vie. Allez aussi. Ce qui galère. Il faudrait qu'on arrive à 300 et ça serait pas trop mal. On augmente l'attaque. Ok, on a 285. On va y arriver, hein. Ok, ça va être bon. Ok, les 300 sont faits. Là, déjà, ça devrait être un peu mieux. Pareil ici, bim, on augmente juste d'un, là. Et ça va me permettre au moins de finir ça. Voilà. Alors, au niveau des stats, en chance de crit, il a combien? Il a 28%, quasiment 30%. Donc, une attaque sur 3 serait du crit. Ok. Est-ce que ça augmenterait si je fais ça? Attends, parce que j'ai envie aussi d'augmenter les jumeaux. Donc on va le faire directement parce que là, ok les gars, on est sur un bon truc là. Promotion réussie et j'ai même envie de te dire, on peut le faire 2 fois d'affilée et ça, ça fait trop plaisir. Nickel, là, on s'est pris un beau petit up, il en manquera 2 pour le passer au level suivant. Alors au niveau des levels, ouais, il faut que toute mon équipe passe au moins 240. Donc on peut largement faire ça, voilà. Et augmenter tout ça.
Ok, lui au moins il sera 240. Donc j'en profite, hop, on le monte un tout petit peu. Ça n'a pas augmenté ses crits malheureusement, mais ses stats ont dû un petit peu augmenter. Donc allez, les 180 à ouvrir les gars, il faudrait avoir bah, évidemment encore les jumeaux, encore le Susano ou plein d'autres. Si possible, évidemment, ouh l'Artemis qui fait plaisir, si possible, de l'ultra rare, ça serait énorme d'avoir un petit Lucifer là-dedans ou une Nua, ça serait vraiment cool, l'Oberon qu'on a encore une fois, ok. Allez, s'il te plaît, il me faut un bon truc. Hades, j'en ai pas assez dans tous les cas. Allez, allez, s'il te plaît, un bon truc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, Athéna, ok, Athéna pas mal, Athéna pas mal, on l'a pas eu depuis le début, alors que c'est un ben, mon tank du jeu, quoi, donc parfait. Allez, s'il te plaît, un petit ultra rare, ça fait longtemps que j'ai rien eu, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai rien eu, là. La dernière fois, on a fait des invoques catastrophiques. Là, ça serait cool si tu pouvais avoir un bon truc maintenant. Allez, un petit SSR. C'est Hades, ça. Ouais, ok, donc on l'a eu deux fois là. Ouh, deuxième. Artemis? Ah non, Xuss, ok. Bon, Xuss, on a vu que ça pouvait être cool, donc pourquoi pas. Allez, s'il te plaît. Il m'en reste combien? Il m'en reste 60 à faire. Ah, attends, j'ai ça. Attends. Hop, hop, hop. Et là, peut-être un bon truc. Ouh, les jumeaux. Les jumeaux qui vont plaisir, même si Foss est super fort apparemment. Les jumeaux, là, il n'y a même pas de truc à dire. Yes, les gars, on les a eu encore une fois. Oh, du coup, attends, ça va me faire regretter. Parce que là, on les a encore une fois, on pourrait les évoluer encore plus. Aïe, je savais que ça allait m'avoir, ce truc-là. Yes, le Foss, il fait plaisir. Yes, on a eu un bon truc, là. Ah, ça fait plaisir, ça. Allez, un de mes derniers tirages. Casse. Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était les jumeaux. Oh, je suis deg. Allez, je crois que c'est les 10 derniers, les gars. Non, on n'a plus rien. Ok, j'ai bien envie d'en faire juste là, 2700, quoique non. Parce que là, ça fait deux tirages, j'ai rien eu, je pense que le prochain, c'est forcément un SSR. Attends, je tente, parce que je crois que là, c'est obligé d'avoir un petit SSR, voilà. Reine de l'Ouest, c'est très bien, ok. Alors, là, du coup, parce que les jumeaux, les gars, on est à 1 de pouvoir les passer... Ah ouais, non mais les gars, je peux pas me... Non. Tant pis, mais là, on est obligé, les gars, là, il faut avoir les jumeaux, enfin, au moins encore une fois. Si on pouvait les avoir directement, ça serait énorme, hein. Allez, s'il te plaît, là, faut pas trop que je gâche de trucs. S'il te plaît. Allez, les jumeaux, s'il te plaît, c'est maintenant qu'il faut arriver. Très rapidement, là, maintenant, s'il te plaît. Allez, un petit SSR, ok, SSR. Allez. Oui. Yes, les gars, voilà. Voilà ce qu'on propose en 2022. N'importe quoi. Ah, yes. Ah, on est content, là. On est à 59, 60 000, donc c'est parfait. En gros, c'est mis trop bien. Les jumeaux, mais... Oh, oh là là, l'envol qu'on s'est pris, quoi. Oh, l'envol. Oh, c'est énorme, hein. Oh, la promotion de ouf. Donc, du coup, là, le prochain, les gars, on est à Infini. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Infini, c'est le dernier niveau. Enfin, Infini 1, Infini 2, Infini 3. Mais du coup, il en faut 3, évidemment. Donc, celui-là, il va être un peu plus long. Donc là, on va mettre un petit peu de temps avant de le faire, mais c'est pas grave. Donc, oh, ça fait plaisir. Est-ce que là, on les déboîte ou pas? Parce que là, franchement... Le Susano, bah du coup on le mettait même pas parce qu'il se faisait exploser. Du coup on va enlever le Lucifer, on va peut-être mettre Susano. Je vais voir. On met pas le x3, on met juste le x2. Ah Susano il meurt instant, hein. C'est quand même incroyable, hein. Bon là, au niveau des dégâts, je fais largement plus de dégâts, ça se voit. Je vais peut-être mourir parce que c'est compliqué, parce que là voilà. Mais j'ai jamais fait un aussi gros dégât que ça. Alors là du coup maintenant, vu qu'on sait que Susano marche pas, on va le lever. Parce que bah, il peut rien faire, tu vois, il se fait one shot en 2 secondes, c'est un peu dommage. Peut-être que là, avec des bons crits, si j'ai un petit peu de chance, je pourrais faire un truc sympa. Non, là, c'est compliqué. Non, je suis deck parce que je peux toujours pas évoluer. Ah, attends, mon tank, il est pas passé, on l'a eu une fois. On peut pas par grand hasard. Ah, déjà, elle, directement, voilà, ça déjà, ça fait plaisir. Voilà, on avait oublié de faire ça, alors que c'est super important. Du coup, évidemment, ça l'augmente. Alors, attends, avant que ça augmente, est-ce que elle... Ouais, on peut la faire promouvoir, mais ça va rien faire de plus. Ok. Donc, attends, on en était où? Là, ouais, elle, on peut la faire augmenter, donc on l'augmente. On l'augmente à fond. Ah, on n'a plus d'or, mince. Bon, je vais utiliser mes 3, mais ouais, on va pas pouvoir aller plus loin. On va attendre un petit peu pour ça. Ah, c'est chaud, hein. C'est ouf qu'avec toutes ces... Tu te dis, j'ai quand même passé un perso level... Enfin, il est passé 260, quoi. Enfin, il a vraiment monté. Après, le truc, c'est qu'il peut pas prendre les niveaux parce que, ben... Mon équipe, elle n'avance pas, quoi. Il n'y a que lui qui monte. Donc, au bout d'un moment, ça le freine, évidemment. Allez, il manque pas grand-chose. Tout à l'heure, on était à 1. Voilà, j'aurais pu à le faire, mais on était pas loin. Bon, malheureusement, j'ai pas trop de solutions, là. J'essaie de faire tourner un peu tout le monde, mais ça ne passe toujours pas. J'étais sûr de passer, là, tu vois, typiquement. Bon, là, je sais que c'est un problème juste de level.
où il faut que mes persos soient un peu plus haut en level pour que je puisse monter les jumeaux. Mais bon, ça va quand même être assez long parce que s'il faut que tout le monde soit à 240, là j'en ai deux là qui restent à être à 240 et c'est quand même assez chaud parce que j'ai aucun mythique quoi. Elle, il n'y a pas de souci, mais après, il aurait fallu avoir quelque chose d'autre quoi. Donc sûrement dans la prochaine invocation. Mais d'ici là, on verra ça. Là, je vais profiter pour faire un peu tous mes défis quotidiens, normalement avec l'avancée. Je devrais un petit peu y arriver. Normalement, quand on pille, on faisait 13 coffres. Là, si on garde... On avait cette équipe-là? Ouais, je sais pas. Attends, on va essayer. Est-ce qu'on arrive à faire un peu plus que nos 13 coffres? Si on en ferait un de plus, ça serait déjà pas trop mal. Nickel, 14. Ok, c'est bon. Bah, déjà, rien que ça, on a gagné un petit coffre en plus. Ça fait plaisir. Alors, j'imagine que les jumeaux... Oh non, c'est Susano, mais non. Alors là, ça a re-inversé la tendance, quoi. J'y pensais pas. Alors attends, parce que là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a les meilleures équipes. Donc là, on regarde directement la formation et... Ah ouais, Niwa, on l'a pas assez monté, nous. Et nous, Niwa, elle est que 220, donc c'est compliqué. Parce que j'imagine que là... Bon, la source de dégâts, c'est Susano, peut-être, mais... Niwa, elle fait mal, quoi. Elle est censée... Enfin, c'est un mage, il me semble. Donc on arrive à 13. Et là, on a encore 50 secondes pour faire le reste. En vrai, ça marche, hein. Ça marche plutôt bien. Bon, il reste 34 secondes, peut-être ça va être chaud. Mais je pensais pas que ça allait marcher autant. Bon, là, non, je vais pas y arriver parce que là, il commence à avoir des morts. Mais je pensais pas que ça marchait autant, tu vois. Ah, mon Susano, il a vraiment pris un beau up là. Hein. Ça va marcher? Mais non, sérieux? Ah, yes! J'ai mes 14, les gars, nickel. Hein. Bon, là, évidemment, voilà. Les dégâts à Artemis, ça l'a fait pas mal. Ok. On est vraiment trop content d'avoir eu autant de fois notre Ganjang. Maintenant, c'est sûr que si ton équipe, après, elle ne suit pas, t'as beau l'augmenter à fond, tu vas être bloqué là, tu vois. Mes dégâts sont complètement bloqués parce qu'il n'a pas vraiment augmenté. Par contre, là, quand je vais pouvoir commencer à mettre niveau supérieur, c'est là où il va vraiment prendre en puissance. Là, je subis un peu le manque de level de mon équipe. Mais bon, regarde, on a un petit peu espoir. Alors, peut-être pas lui promouvoir. On en a 0, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais peut-être elle, voilà. Elle, tu vois, si on l'a une fois. Je sais pas comment on pourrait l'avoir, mais il suffirait juste de l'avoir une fois. C'est vrai qu'on n'a pas une seule fois aujourd'hui. On n'a pas eu de chance là, on aurait pu l'avoir. Hein. Il suffirait qu'on l'ait une fois et ça serait bon quoi. Même lui, hein. Lui on l'a comment? Lui aussi pareil, tu vois. Lui on l'a eu aussi un petit peu. Donc voilà, un des deux, si je les ai une fois, après ça pourrait largement le faire. Donc on verra, j'ai espoir que dans les prochaines invocations... attends. Ouh, j'avais pas vu ça. Attends, mais ça veut dire que là, si on a elle ou on a Dionysos, ça pourrait être cool. Je le tente, hein, je suis obligé, hein. Même si je sais qu'Anubis est cool, les Panthéon et Poséidon peuvent être cool. Là, franchement... Allez, s'il te plaît! Un bon truc! Non, c'est qui, lui? Oula. Oh non, je suis deg, là. Non, il n'a pas l'air fort, lui. Oh, on a été presque, quoi. Tant pis. Bon, les gars, on s'arrête là-dessus. J'espère que ça t'a plu, toutes ces invocations. Je te dis à la semaine prochaine ou celle d'après, en tout cas pour le prochain event. J'espère que ça va être Lucifer, ça serait ouf. Et dans tous les cas, oui, si c'est Lucifer ou quoi, on va tout claquer. Donc du coup, on aurait plein de persos, donc ça devrait largement le faire. Donc les gars, passez un bon week-end et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.